Salut tout le monde les amis, c'est PleurGamer, bienvenue pour un nouvel épisode de Super Smash Bros Ultimate. J'espère, pardon, que vous allez bien. Nouvel épisode les amis, nous sommes partis pour terminer la Contrée de la Lumière, parce que ça s'appelle comme ça, Contrée de la Lumière. Et nous sommes partis pour finir, on a tout récupéré les amis, nous avions tout récupéré. Et donc c'est parti, on va affronter Killer, let's go, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et allez, pour le sport... Pour Killer, hein, on va utiliser un esprit qu'on n'a pas encore utilisé justement. Où est-il là? Je l'ai pas monté? Comment ça je l'ai pas monté? Il est où? Ah, il est là. On va utiliser notre fameux James McCloud. Allez, c'est parti, Killer. Voyons voir qu'est-ce qu'il vaut. Donc c'est l'antagoniste principal. Allez, je vais essayer notre meilleure équipe d'esprit. C'est choisi, hein, pas de soucis. Ta-da-da, Killer. Le boss qui a capturé tous nos amis. Il est temps de le terminer. Ok, donc on va attaquer sa boule. Il n'y a pas de soucis. Oh. Hop, voilà. Hop. Ok, c'est assez spécial. C'est très différent de Tama quand même. Hein. C'est quand même assez différent d'attaquer une sphère comme ça. Ouh putain. Qu'est-ce que... Ah là là. Ouh, il m'a l'air chaud. Il m'a l'air très très chaud celui-là. Oh. Oh parfait. Parfait tout ça. Allez vas-y. Ah putain seulement. On a pas, on l'a pas pris cher hein. Boum, deux fois. Ah non. Oh c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce donc que ça? Ah putain il me fait venir les ennemis. Ah putain il est dur en plus j'ai qu'une vie. Tiens. Ah putain on peut le stun. Oh là là je dégage. Je vais perdre. Vous allez voir que je vais perdre. Oh on a réussi. Vite. J'ai l'impression que je vais mettre pas assez cher. Enfin comparé à lui ce qu'il me met quoi. Ah là 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 là. Oh j'ai réussi, c'est bon. Yes. Ok. Killer vaincu. C'était... on était chaud quand même hein. Ah ça s'est pas joué à grand chose non plus hein. On était pas loin de mourir. Bon désolé hein si vous me voyez transpirer. Normalement vous me verrez pas transpirer les amis mais désolé. Honnêtement il fait encore super chaud c'est... Il y en a marre. Mais bon. Oups, ma bouteille. Hop. Oh, on a le droit à une cinématique. Stylé, ça c'est encore. Depuis le début du jeu en fait. Oh, Killer détruit. C'est quoi ça? Fissure. Ah. Le monde se fissure. Oh. Oh. D'autres créent à main. Après, je suis le Killer, le maître de la lumière, les ténèbres sont à redire. D'accord. Oh. D'accord. Ah oui, effectivement, là. En un instant, le monde fut plongé dans l'obscurité. Les esprits asservis et les pantins changèrent de maître. D'accord. Le monde faisait face à l'incarnation des ténèbres. Sombre. D'accord. Donc il y a un deuxième ennemi. Ok, il y a un deuxième antagoniste. Après Killer. Hein. Oh. Ah, nous avons un petit point de contrôle. D'accord. Ah, je suis tombé. Voyons voir ça, les amis. Bon, ça je le savais, hein, les amis. Je connaissais son bras, hein, je suis pas surpris. Mais par contre, je ne savais pas comment il apparaissait. Mais je le sais. Mais je connaissais cet ennemi. Oh. Ok. Et ben nous voici les amis dans un nouveau monde. Un monde rempli de ténèbres. Et donc c'est là où se cache Kron, normalement. Mon perso. Normalement il se cache ici. Oh putain.
Ah oui, d'accord. Effectivement, c'est un sacré monde. Ok. Bon, d'après Icarus, il est plus court que le premier, mais on va voir, écoutez. Alors, on va aller... Ah, on peut aller tout en bas? Ah non, c'est pour revenir dans la lumière. On va aller ici. Allez, c'est parti, on commence. Let's go, première sphère, Chaos. Sonic the Hedgehog, d'accord. Voici notre premier adversaire. Et ça sera un Inkling garçon. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Garçon Inkling de métal. D'accord, attaque d'adversaire augmente. Et il est recouvert de métal. Ah, c'est chiant à dégager tout ça. Ah, moi aussi je suis en métal. D'accord. Ah. Métal, métal. Boum. Ah merde. Ah putain, je suis mort. Quel connard. Mais quel connard. J'ai voulu essayer de le tuer et j'ai pas réussi. Bon, c'est bon, on va recommencer. Blizzardwa. Sont atterrés vers Blizzardwa. D'accord, ça arrête de ses points de glace. Ah. C'est relou tout ça. Putain, on lui met super cher en vrai. Par contre, c'est drôle, c'est que il a pas l'air d'être affecté par. Par le problème des métals, c'est-à-dire le recovery, j'ai l'impression. Au revoir. Yes. Et voilà, Garçon King, c'est fait, les amis. Chaos. Ok. Bon, notre premier esprit. Alors là, j'espère avoir Chrome. Allez, ce bouclier bloque tous les projectiles, même les puissants. Ok. Ça, je connais aussi, mais j'utilise jamais. Parce qu'il est temps de changer de Link. Il est temps de prendre Chrome. Moi. Ah, ah. Ok, un créa main. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Gen, qui vient de Fire Emblem, non? Ah, en Street Fighter, autant pour moi. C'est vrai que... Bah, c'est vrai que c'est logique. Allez, on va essayer notre Fox McNeil. James, pardon. James McNeil, le père de Fox. Donc on affronte avec Lucario. Un fameux Lucario. L'aura est renforcée. Donc le match est super cher avec son aura. Alors, ouais. Je peux dire adieu à ma technique. Ah. Oh l'enfoiré. Putain. Quel enfoiré. Tiens. Boum, au revoir. Et voilà. Grâce à la bombe, magnifique. Ok. Ok, ok. Gain c'est fait, passons à la suite. Allez, allez, il faut que Chrome tombe les amis. Il le faut. Il le faut. Alors d'abord nous avons un créa main. Ah, c'est des maniaques. D'accord, c'est l'autre. C'est fini les créa main. C'est des démaniaques maintenant. Ok, bon, on va repartir avec James. Hein. On va garder James. Allez. De toute façon, on l'a utilisé tellement peu dans l'aventure pour l'instant. C'est, il peut avoir son petit quart d'heure de gloire quand même. Et du coup, les amis, vu qu'on a une nouvelle zone, hein, qui dit. Nouvelle zone dit esprit puissant. On va se retrouver les esprits en mode légende. Par contre, je ne sais pas qui va y avoir. Peut-être voir. Il me semble pas qu'on a eu encore un esprit de légende en rapport avec Zelda. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Et du coup, ça serait stylé. Du coup, ça serait classe. On verra, hein. Mais bon, on va en chier, hein, certainement. Hop. Allez. Démaniaque, crève. Le petit démaniaque. Laisse-moi aller ensuite. Je dois aller chercher Chrome. C'est pas toi qui va me gêner. Boum. Oh le petit taquet là. Allez vas-y, Link. Link dans la douleur. Boum. Et voilà. Gagné. Ok, un démaniaque de moins. Je pense qu'il y en aura d'autres. Hein. Je pense qu'on va en battre d'autres des démaniaques. Mais espérons que ça soit pas trop récurrent parce que les démaniaques nous servent à rien. Quoi. Et ils sont chiants à tuer, je trouve. Genre un peu long à tuer. Parce que des maniaques c'était un petit peu spéciaux quoi quand on les voyait. C'est, on les voyait dans le mode classique, enfin. Enfin le mode classique. Alors, ah, nous avons deux entrées. Ça, ça, ok. Toujours pas d'alliés. Toujours pas d'alliés coincés. Alors, on va voir celui-là. Oh putain, Raikou, Entel et Suicune. Les trois chiens légendaires. Oulala là là. Ok, nous avons un sol brûlant, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Et on affronte un Amphinobi. Et certainement deux autres Amphinobi, non? Ah non, ils ont un Fel Inferno et un Pikachu. Eh oui, pour représenter les trois chiens, effectivement. D'accord. Votre sol enflammé, je peux venir. Y'a pas de soucis. Boum. Ah, par contre, Fel Inferno, il est chiant.
Fais l'inferno, il va trop vite. Singer. Ah là là. Ah bah, voilà, exactement comme ça. Ah mais quel bâtard! Ah ok. Je sais pas, comment j'ai fait? Comment je fais pour dégager les deux? Ok. Bon, ça c'est fait. Yes, les trois chiens légendaires, stylés en vétéran. Bon, c'est pas encore un légende. Hein. Ah là là, un légende, on va en chier. Hein. Ike. Eh, hey, Ike, on l'a pas encore eu en plus. Ike, j'aime beaucoup ce perso, mais il est lourd en fait. C'est un perso lourd, et perso lourd, je suis pas spécialement fan. Mais c'est vrai que c'est mon perso lourd préféré quand même, Ike. Alors, ouh, il y a un allié. Et vous avez vu que ça change? Ça a changé maintenant les alliés. C'est quoi? Genre, ils sont plus corrompus que les autres? Alors, Trioxydre. Trioxydre. On va voir ça. Non, on va pas prendre Xerneas. On va prendre Tsubasa Oribe. De toute façon, on a déjà pris assez James. Hein, un peu... Même si Tsubasa Oribe, c'est pas une légende, on va quand même la garder. Elle nous a accompagné tant de fois. Allez, Drac au feu. Hop. Oh, t'es mort. Et voilà. Ah, j'ai chargé mon coup. Ah, c'était sûr. Là, Link, il allait te défoncer. Putain, les amis, là, si le perso c'est Chrome, ça serait parfait. Ah là là, je switch direct. Ou même Lucina, à la limite. Lucina, je switch aussi. Alors, voyons voir. Chida. Oh, putain. Un perso légende, les amis. Oh là 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 là, ça va être dur. Oh, et c'est Lucina, donc après le perso, ça peut être Lucina. Oh putain, Shida. Ouh, ouh là là. 13500 et un marf en plus. Ouf, ça va être chaud. Un vent violent sous ce stage, adversaire le plus léger et beaucoup plus rapide. Oh putain. Ah bah ça, c'est parfait pour Lucina, on va dire. D'accord, bah, il nous faut un vent violent. Anti-prise au vent. Anti-prise au vent, d'accord. Oh putain, on a pas le choix de prendre une bison. Ok, on va essayer. Ouh là là, ça va être chaud. Ouh, ça va être chaud, les amis. Shida, Shida qui est... c'est pas la Waifu Droid, je sais plus. Je sais plus si c'est Shida, la Waifu Droid, je crois. Hein. Je crois que c'est la Waifu Droid. Hop. Ils sont beaucoup plus rapides que moi, je fais rien. Ouais, en plus, c'est les épéistes réputés pour être rapides. Maf, il me met une pointe, je suis mort. Il me met un coup de pointe, je vais le sentir passer. Ah là là. Tiens. Ah. Tiens. Et boum. Yes. Victoire. Bon ça va, ils étaient pas... Non ça va. Ils étaient pas non plus relou relou. Shida les amis. On drop Shida. Yes. Ah je sais plus. Je sais plus si c'est la Waifu Droy. Ah je ne sais plus. Peut-être, peut-être. Je sais qu'elle a les cheveux bleus, mais je ne sais pas. Ouais, je ne sais plus du tout. Et qu'elle a les cheveux longs aussi, hein, mais à part ça, je ne me rappelle plus. Alors, nous sommes à 96, d'accord. Alors attendez, avant de voir le perso, hein, on va... Alors je pense que c'est Lucina. Hein. Je pense que là, clairement, c'est Lucina. C'est vrai que ça soit... Ça m'étonnerait que ça sera Chrome, mais pourquoi pas, hein, si c'est Chrome, parfait, impeccable. Alors, Shida, on va la monter, hein. Allez hop, tac. Ok. Ensuite ça. C'est bien, on a beaucoup d'encas, ça fait plaisir. Là on est encore à plus 1. D'accord. Oh par contre. Non, on va encore utiliser. Voilà. Et pour les derniers, vas-y, hop, hop. Voilà. Nice. Shida, 10 078 de puissance. C'est aussi fort que James, c'est pas mal. C'est aussi fort. Et en plus, on a un saut up comparé à James. Donc, je dirais que Shida est plus forte que James et Claude. Mais pourquoi pas? C'est cool. Super. On va la tester après. Attention, les amis. Le premier perso de la Dark Zone. Hein, de la zone maléfique. Attention, c'est parti. Fais l'inferno. Putain. Mais pourquoi c'est lui qui tombe? Emporter la victoire parce que je crois qu'on attend. Mais non, mais je veux pas le secourir. Je veux absolument pas le secourir. Ok, bah, du coup, c'est bien. C'est que c'est un puissance. Donc, on va pouvoir utiliser notre nouvelle AJ, hein, notre Shida. Où est-elle? Shida, où es-tu? Ah, tu es là, parfait. Nice. 12 900. Et par contre, non, il avait combien de puissance? Il avait 12 000, non? Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Je crois qu'il est pas mal fort ce Inferno. Va falloir faire gaffe. Non, non, mais le grade, mais non, Lutara, c'est le grade.
Attention, hein. Avec, attention avec son grab. Absolument abject. Boum. Il a réussi à revenir. Comment c'est possible ça? Normalement, il n'aurait pas dû revenir. Il a un recovery à chier. Putain, il a pas de saison recovery, c'est con. Ah, je croyais parce que d'habitude, les bots qui utilisent Flame Inferno, ils sont nuls à chier. En fait, le problème, c'est que le recovery de Flame Inferno est totalement useless et nul. Et donc, du coup, j'aurais cru qu'il l'aurait fait par instinct, il aurait utilisé le recovery. Dommage. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà, Flame Inferno qui arrive comme premier personnage. Quoi, le seum. Ah, le seum. Ah non, mais là, je voulais prendre. Là, j'ai le seum. Alors, on va continuer à ce côté-là. On va aller ici. Filles et garçons Octaling. Ah oui, c'est les filles et garçons maléfiques. Ok, bah on va réutiliser Shida. Allez hop, c'est pourquoi pas, on va réutiliser Shida. Ok, la fille et garçon Octaling. C'est les méchants, justement. Du coup, je pense que dans cette Dark Zone, on aura beaucoup de méchants, hein, à travers les jeux. Pourquoi pas, ça serait stylé. Beaucoup d'antagonistes, beaucoup de méchants. Hop. Allez, de toute façon, on est en... Ça va aller, hein. On est en métal. Ah non, on est plus en métal. Ah. Juste au moment où je dis ça. Ah, c'est pas ce que j'ai eu. Quel enfoiré. Et voilà. Yes, ça c'est fait, les amis. On avance bien. On avance très très bien. Continuons sur cette lancée. D'ailleurs, le légende, on a réussi à le faire. C'est incroyable. Ah là là, je sens qu'il y en a un qui va me faire péter un câble. C'est obligé. Il y en a un qui va être horrible. Ah ouais, non, mais il faudra du challenge. Il va falloir du challenge. Oh, on arrive dans un volcan. Peu de chance de voir un chrome ici. Hein. Dans un volcan, j'y crois pas trop. Plus de chance de voir un Roy, par exemple. Mais bon. Alors, Landmaster. Oh, le Landmaster. Ah, on pourrait garder Shida, c'est vrai. Bon, allez, on va garder Shida. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, les amis. Un Robic Sissel. D'ailleurs, ce serait bien d'avoir un esprit légende en Elemental. Bon, ça servirait presque à rien, hein, mais pourquoi pas. Comme ça, on saura qui utiliser dans ces moments-là, dans ces moments de doute. Allez, toi, dégage. Casse-toi. Ah merde. Je me suis gêné tout seul. Incroyable. Y'a que moi pour faire ça. Ah putain. Ah l'enfoiré. Boum. Au revoir, Rob. Bye bye. Ok, ça c'est fait. On avance bien, les amis. On avance très bien. Non mais du coup Shida là, je sais pas du tout. Ah je sais pas. Je sais pas si c'est la waifu de Roy. Je me pose vraiment cette question. Alors, ouais. Après on a un dojo encore. Il y a encore des dojos. Enfin j'espère que c'est un shop. Ça a l'air d'être un shop. Megaman Voltmoot. D'accord. Megaman légende. D'accord, ok, stylé. Stylé, stylé. Alors il nous faut un feu cette fois. Il nous faut un fire. Et on va prendre notre géno. Notre fameux géno. Gravité élevée. Ah, d'accord. On a pas le choix. Allez, c'est parti. C'est parti. Reventer le combat dans le temps imparti. Ah, sans doute réduit. Ok. Mais normalement, elle devrait pas être réduite. En théorie. Oh putain, c'est le pire stage. Oh, le stage du chétan. Alors là, les amis, attention. Hein. Ce stage est un peu en particulier. Si on se tape la lave alors qu'on a 50 ou 100, je sais plus, de dommages, et ben, on meurt direct. C'est direct. Genre, t'as même pas. Tu peux même pas essayer de. Voilà, genre un délire comme ça, tu peux même pas essayer de survivre, on crève direct. Du coup, faut absolument faire gaffe. Ok, ça c'est une fausse balle smash. Pas de problème. Putain, il crève toujours pas. Il crève toujours pas. Non. Ouf. Ok, voilà, vous avez vu, il y en a un qui a dégagé là. Je sais pas, voilà, là c'est du à la lave, vous l'avez vu. Non, 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 il me crève tout seul. Et voilà, bah lui il est mort. Il est mort en revenant. Ok, donc ça c'est fait. Voilà, c'est un stage très particulier celui-là, les amis. Et. Ouais, il peut être fun, hein. À plusieurs, franchement, il est fun. Mais. Ah, il est trop gros en fait. Il est trop grand pour nous. Et du coup, on voit pas trop notre perso et on peut se faire tuer Aise. Maître Kraid. Kraid. Ah oui, c'est le fameux boss. Fameux ennemi qui est derrière. Ok, il est totalement moche, hein. C'est incroyable. Putain, King Karolu Kissel, il a 10 000 de points de vie. Waouh, mais c'est incroyable. Arrêtez, les gars. Vous allez devenir de plus en plus. Vous allez devenir aussi fort que les légendes, c'est un truc de fou. Ok, un King Karol XXL. Alors là, il faut faire gaffe parce que King Karol a un contre avec son ventre. Du coup, il faut faire gaffe. Oh, putain, il a 200. Waouh.
Il a 200 points de vie. Putain. Mais arrête. Ok. On est presque revenu. On est revenu. Nice. Oh putain. Faut pas le laisser faire ça. C'est parce que c'est pas bien. Hop, boum. On se voit, on lui a mis ultra cher en vrai. Putain, je sais pas pourquoi on lui a mis ultra cher comme ça. Nice, Kraid. Je savais même pas qu'il avait un nom ce truc, c'est incroyable. Non mais ce monstre là, je le vois depuis Melee. Hein, depuis Melee sur Brainstar. Sur ce stage là, je crois que ça m'a fait bizarre. Ah, on peut faire des affaires. Ah d'accord, c'est un shop. Ah non, c'est un dojo. D'accord, c'est un dojo. Oh, bien le bonjour. Ok, ouais, d'accord. Mais pourquoi lui c'est un maître? D'accord. Très bien, on dirait plus un monstre. Oh, ça me parle. Ça me parle, les amis. Yuga, l'antagoniste de Zelda Breath of the... Pas Breath of the... N'importe quoi. Link's Awakening sur 3DS, qui est un excellent jeu sur 3DS. C'était une grande surprise. Il est vraiment cool sur 3DS. Je vous le ferai un jour parce que franchement, il vaut le coup. Ce fameux Yuga, et qui tente de faire ressusciter Ganon, d'ailleurs. Il est très stylé. Non, c'est vrai qu'il est classe quand même comme antagoniste. Ce fameux mec qui veut faire des tableaux hein, avec les sages. Mais ouais, un jour je vous le proposerai hein, ce let's play. Parce qu'il le mérite. Hop, au revoir. Ah, je me disais c'était peut-être un petit peu trop facile. Par contre t'arrêtes avec ça quoi. En même temps je sais pourquoi il fait ça hein. Yuga c'est avec les tableaux, il a aussi un passo hein, comme vous l'avez vu il a aussi un passo. Donc c'est pour ça qu'il a vu cette technique. Hop! Ah là là! Ah putain, merde! Tiens! Putain. Il va me le faire! Il va me le faire! Il va me le faire! Non! Ah, mais c'est horrible! Waouh, je me suis fait défoncer! D'accord! D'accord, mais pourtant j'aurais dû survivre, hein, mais bon. Trophée effet de Skull Kid. Oh, Skull Kid, stylé. Pour le genre invisible, inverser l'écran ou bien le retourner verticalement. D'accord. Eh ben, inverser l'écran, c'est probablement le pire, je pense. Parce que invisible, honnêtement, on s'en fout. Mais je pense que lui, on va avoir affaire à lui. Putain. Regarde. C'est ta grande sœur qui est absolument horrible. Putain. Eh. C'est quoi de ça? Donne-moi Yuga, je le veux. Tiens. Dégage. Tiens. Mais c'est une blague. Tiens. Voilà, mais c'est une blague. Putain. Vas-y, il avait défense. Il avait une défense incroyable celui-là. Ok, le petit Yuga qui drop, c'est cool ça. Ça c'est très cool. La fin du surpassement survient en 3K lorsque Claude utilise une attaque spéciale. Merde, j'avais pas vu. C'est vrai, Claude, putain, j'aimerais bien l'avoir. En vrai, Claude, je le jouerai un peu, je pense. Parce que Claude, je le joue un petit peu et il est quand même sympa. Ok, nous avons une première warp zone, les amis, et un téléporteur. On va faire cette. On va regarder cette warp zone. On va essayer de la faire dans cet épisode, mais c'est pas sûr. Hein. On va voir à quoi elle ressemble. Oh putain, terre sacrée. Oh. Ok. Oh, il y a du Zelda. Hein. Je vois le hibou. Ah putain, je connais ça. Il y a une énigme. Oh putain, wow, Excalibur. Et il y a un perso en plus. Oh, bah on va avoir des persos de Zelda ici. Ouais, effectivement, ici on va avoir des persos de Zelda. D'accord. Un autre perso ici. Ouais, bah on va avoir Ganondorf, Zelda, Link Enfant, Link Cartoon. Link Cartoon, on l'a déjà, il me semble. Ok, alors, le banni. Ah, le banni. Mais oui, évidemment. Et c'est King Karool pour le banni. Alors, je ne suis pas surpris sur tes Ganondorf. Mais King Karool. Ouais, petite surprise quand même. Petite surprise. Ok. Il y a une super connexion, d'accord. Bah voilà. Ok, ah, il y avait Jiraim qui allait me faire chier. D'accord, ok, bon bah ça c'est fait. Voilà. Il a même pas bougé King Karool, je l'ai défoncé. Je l'ai éclaté. Bon, je pense pas qu'on va faire cette zone dans cet épisode, les amis. Enfin, toute cette zone. Parce qu'il me semble qu'elle est longue. Il me semble. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Je suis celui qui. Par qui la vérité dévoilée. D'accord. D'accord, c'est tout. Ok, allons à droite. Nabarl, je sais pas d'où il vient. Fire Emblem, d'accord. Bah, je sais pas. Et c'est Marf qui va le représenter. D'accord. On va prendre Shida. Hop, Fire Emblem pour Fire Emblem, c'est stylé. On apprécie la ref, hein. Allez, Marf.
le prince Mar. Alors. Hop. Ah le bâtard. Il a un katana qui fait ultra mal. Hein. Hop. C'est bien le petit que j'ai à chaque fois. Là. Hop. Ah c'était du... D'accord. Je croyais qu'il fallait faire dégager l'adversaire, mais ok, très bien. Donc ça c'est fait, Nabarl. Je ne sais pas d'où il vient. Peut-être du premier Fire Emblem, je ne sais pas. J'ai pas fait ce Fire Emblem là pour le coup, les amis. Donc désolé, mais vu le graphisme, je dirais le premier. Le premier Fire Emblem me paraît pas déconnant. Alors, premier hibou, qu'est-ce que tu dis ? Enfin, le deuxième, pardon. La jeune fille qui attend un ami te mènera au courage. Jeune fille qui attend un ami. Je ne sais pas. C'est des énigmes, hein, les amis, mais je ne sais pas comment on va résoudre ça. D'accord. Ah, il y a un. Ah, d'accord. Il y a pas mal de persos ici hein, dans cette zone. Hein. C'est incroyable. Il y en a 3-4. Katou et Katy, Animal Crossing évidemment. Et mais je ne sais pas duquel. Bon vu le graphisme encore une fois je dirais GameCube, mais je suis pas sûr. Peut-être que je me trompe. Allez, genoux. Ah bah anti-brouillard hein. Allez, détective Pikachu, pourquoi pas. Pourquoi pas tout ça. Allez, une Marie. Deux Marie, pardon. Qui vont représenter chacune d'elles. Ça j'ai recouvert de brouillard. Ouais mais c'est bon, pas de problème. On a un anti-brouillard, donc tout va bien. Ah bah, c'est con, il n'y a pas de brouillard. MDR. Merde. Au revoir. Ah d'accord. Au revoir. Voilà. Bon bah ça c'était vite réglé les amis. Hein. C'était très très vite réglé. Bonne chose de faite. Bon, passons à la suite si vous le voulez bien. Passons à la suite. Alors, voyons voir. Ah, nous avons un autre hibou. Qu'est-ce qu'il va dire? Est, sud et encore vers le sud, le chemin invisible t'apparaîtra. D'accord. Chemin invisible, ok. Bah clairement là c'est la forêt. C'est la forêt abandonnée hein, de Zelda, on la reconnaît. On la reconnaît. Pour avoir l'épée de légende. C'est vraiment stylé, hein, c'est très belle ref. J'aime beaucoup. J'apprécie la ref. Alors, allez, le boss, pour une fois. Je crois pas que j'ai pris le boss. Ok. M bison, je crois là. Un slash endurance en temps limité. D'accord. L'attaque adversaire renforcée, d'accord. Vas-y, préjudice d'attaque spéciale. Hop. Tiens. Pff, vous avez vu ça? Ah merde. Les amis, on fait un ellipse, on se retrouve juste après, à tout de suite. Et re tout le monde les amis, me revoilà, désolé pour cette ellipse, la température de mon téléphone était trop élevée. Hein. Normalement ça devrait suffire, je pense. Donc ah on a une évolution level 99 de Billboard. Ah on va le monter. On va le monter pour voir son évolution, ça m'intéresse. Et donc du coup j'ai fait des recherches vite fait les amis hein, sur la sur Shida justement et en fait non ce n'est pas la waifu de Roy en fait. La waifu de Roy c'est Lilina, je me suis trompé. Donc voilà, je me suis corrigé les amis, désolé pour cette fausse information. Et du coup je me demande s'il y a un trophée Lilina, ça serait marrant. Ce serait très drôle. Alors, voyons voir, il est où l'autre évolution. Ah il y a des évolutions. Oh putain, ouais d'accord. Ok, on s'occupera de ça plus tard peut-être. Parce que je crois qu'il y en avait qu'un, mais non, il y en a beaucoup en fait. On s'occupera de ça plus tard. Bien, poursuivons encore un petit peu. Oh, nous avons un personnage, deux personnages ici, pas mal. Ok, on va faire ces deux persos là. Bon, je suis en train de tuer Chrome. Qui est Chrome. Ça serait bien, hein. Je pense pas. Landia, série Kirby. Ok, ça doit être un boss, certainement. Hein, c'est bien sûr. Alors, nous sommes. Eh, attendez. Ah, bah voilà. C'est elle, la waifu de Roy. Lina, la voilà. Ah, du coup, on l'a drop, effectivement. Elle est déjà passée. Ah, d'accord, c'est juste qu'elle est en arcade, pas terrible. Ok, d'accord. Donc, Lina, on l'avait déjà depuis longtemps. Ok, bah dommage, j'aurais préféré avoir une Lina 4 étoiles qu'une Shida 4 étoiles, mais bon, pire. Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Pourquoi une Ah oui, on a besoin de ça. Hop. Au revoir. Voilà, ça c'est avec le fameux Mi. Ce qui est drôle avec ce terrain les amis c'est que le Mi vous pouvez le dégager en fait la cage. Si vous tapez trop la cage vous pouvez l'envoyer en l'air. Vous pouvez l'envoyer hyper loin, c'est vachement stylé. Hélice dorsale. Ok. Ok, très bien. Alors d'abord nous avons un petit hibou que j'ai envie d'écouter vite fait. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un attend l'arrivée d'un héros. Bon bah merci. Merci beaucoup. Alors le perso, allez, Chrome, mais bon je pense que ça va être Link enfant ou Ganondorf ou Zelda.
Zelda un J-Drop ou pas? Ganondorf. Ah c'est Sonic. Vas-y, un perso useless quoi. Un perso useless, mais merde quoi. Et comme si je veux Sonic. Franchement, le jeu. Est-ce que je veux Sonic? Non. Non, évidemment que non. Personne ne veut Sonic. Hop. Enfin moi perso je veux jouer pas Sonic. Ah il m'a bien eu là. Ah bah là. Tu prends bien. Franchement, arrête de me donner des personnages. Me les donner plus tard dès que j'ai été prône. Ce que je veux, prône. Vous allez voir, c'est... imaginez c'est le dernier coup. Et là, j'ai bien ça. Là, franchement, c'est le dernier coup. Parce que j'aurais même pas utilisé le reste. Tiens! Bon, il était plutôt long, hein, celui-là. Il était plutôt coriace. Yes, ouais, Super Sonic. Ouais. Trophée de cauchemar, d'accord. Ok, on s'en fout. On s'en fout. Allez, on va en haut, Sonic. Quoi. Hilda. Oh, Hilda. Between World, encore une fois. Et d'ailleurs, la princesse Zelda actuelle hein, de Smash Bros. C'est la. C'est le. Elle est faite de la princesse Zelda de Link Between World, justement. C'est ça qui est drôle. Hilda, elle est stylée quand même. Franchement, elle a un mood, Hilda. Elle est stylée. Allez, c'est parti. Affrontons cette princesse Zelda des trophées d'hostile. Oh non. Oh, le pire truc. Trophée d'hostile. Ah, mais ça sort. Genre quoi, il y a Hilda en... Non. Ah non. Qu'est-ce que... Ah, je vois personne. Génial. Ok, d'accord. Tiens, donc on a un Young Link. Le Young Link de ma droite. Moi j'en fous, c'est surtout de ma droite. Je vous le dis direct. Même si c'est vrai qu'il y a... C'est vrai que c'est surtout de ma droite. C'est dommage. C'est dommage. Bon. Oh. Oh quoi? Oh la chatte. Mais la chatte, là. Oh la chance. Vous avez vu ça? Mais non, j'ai mis un kick et tout, c'était magnifique. Ok, Hilda. Bon, d'accord. Alors, je sais pas pourquoi des trophées d'eau style sont apparus. Je vois pas pourquoi. Quelle est cette ref envers Hilda? Je ne sais pas. Alors, bon, à côté là, c'est force. Bon, bah, c'est soit Ganondorf, soit Zelda, hein, clairement. Je pense pas que c'est Chrome. Alors, ah non, je peux y aller. Ah merde, quel con. J'avais pas vu. Mince, ça bloque. Mince, bon, bah écoutez, tant pis. Alors, Jacob. Évidemment, Jacob. Oh, ça a l'air d'être Fire Emblem Fate, ça. Ça ressemble. Ça ressemble. On dirait Fire Emblem Fate ou Wakling, hein. Même combat. Hein. Allez, let's go. Check. Ah, on glit tout ça, stylé. Non, mais stylé, check. Pas mal. Tiens. Hop. On a un double sword maintenant. On a un Kirito. On a un Link Kirito maintenant. Hop, ça c'est fait. Victoire. Allez, on continue. Jacob est à nous. Dans la box. Lucas, Caressis, Psy, Geyser. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a un hibou là-bas, on va aller vite le voir. Oh putain, ouais, je le sais avec le flambeau ce que c'est. Je sais, mais je ne sais plus comment le faire. Je l'avais déjà vu. La lumière qui baigne la marque. La quoi? La lumière qui baigne la marque. La course du temps. Pas français tout ça. Bon, alors on va faire cet esprit là et on va s'arrêter là. Malon! Un malon, les amis de Zelda, évidemment ça me parle. Là, évidemment ça me parle. Malon qui est là dans Ocarina of Time et dans Majora. Je sais, je crois pas qu'il y en a dans d'autres Zelda, j'ai un doute, mais je pense pas. Enfin, en tout cas, le design c'est Ocarina of Time, hein, clairement. Y a pas de doute là-dessus. Hein. C'est vraiment une mini Zelda. Ça, c'est assez relou. J'ai reçu un message, les amis. C'est pour ça que j'étais comme ça. J'essayais de le lire vite fait. Alors, du coup, comme ça, on va s'arrêter ici. Ça aurait été une bonne chose. Ça aurait été un bon épisode. Franchement, on aurait fait pas mal de choses. On aurait bien avancé. Prochain épisode, j'aimerais bien terminer ça, mais je pense qu'il y a des amis, parce que c'est un. Malheureusement, c'est une zone où il faut. Comment dire ça? Où il faut connaître.
1 et malheureusement je ne connais pas, donc il y aura certainement des ellipses pour éviter de vous faire un épisode chiant. Donc voilà, les amis, on s'arrête ici, merci à regarder cet épisode de Smash Bros, j'allais dire Zelda mais c'est vrai que ça ressemble, de Super Smash Bros Ultimate, merci à regarder, n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner, ça m'aide beaucoup et tu peux aussi visiter l'onglet communauté de ma chaîne, je poste des infos de temps à autre. Allez les amis, bye tout le monde.